Bonjour James. Bonjour Sébastien. Pour la deuxième fois aujourd'hui. Je suis fatigué. Non, je plaisante, je suis en forme. Nous sommes là pour vous annoncer les avancements des travaux sur la Seat Ibiza 6L Cupra à Monsieur James Performance. Joli travail. Échangeur monté. Refroidisseur de gasoil monté. Bon bah tout le reste on avait déjà vu. Hein. C'est monté, ça démarre, ça tourne, c'est nickel. Filtre à gasoil. Le filtre à gasoil. Le filtre à gasoil il est monté là. Ouais, faire un support pour filtre à gasoil, c'est pour ça qu'on l'a pas branché. Donc là du coup la Sural comme vous. Tiens, baisse le pont s'il te plaît. Parce que j'avais monté le. Attends, parce qu'on n'entend rien. Que les ingénieurs, ils ont pas su faire des ponts qui font pas de bruit. Donc forcément, ils nous cassent les couilles. Nous, on s'est arrêté sur le collecteur d'admission. Donc là, on a commencé à faire descendre le piping jusqu'ici. Donc là, on va descendre ici pour venir se raccorder ici. Pas mal. Donc là, cette pièce-là, qui est en alu, qui est magnifique, elle va aller comme ça. Comme ça. Magnifique. Et après, chut, on remonte ici directement. Et ce côté-là, tiens, branche la lampe là que j'éclaire bien là. Donc, entrée d'échangeur. Donc là, faut qu'on se rebranche de là jusqu'à là-bas. Comme vous pouvez apercevoir derrière, on voit la petite ligne qui est pas finie, mais c'est en cours. La descente de turbo là, on la voit bien. On a mis une tresse pour que bah ça vibre pas. Brrr. Ça, lampe là. Ça, lampe là. Il casse les couilles. Donc 76. Et là, pour l'instant, on a arrêté ici avec le support d'origine qu'on a repris. Elle est bien, elle bouge pas, elle est fixée. Il me reste ça à faire, enfin Sylvain il lui reste ça à faire. Un bout de ligne droite, un coup d'à 90 en remontant un peu et là après. Voilà. Donc la ligne, autant vous dire qu'elle est finie à 70%, il reste 30% à finir. Donc là, on va continuer pour finir la ligne et puis le piping. Franchement, l'autre côté, ça me fait pas trop peur, mais c'est ce côté-là, moi. Non, moi, c'est l'inverse. La coquille, en fait, le problème, personnellement, c'est moi. La coquille, j'aurais dû la tourner un peu, la descendre. Là, au lieu qu'elle soit là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, elle serait venue jusqu'ici. Donc là, on aurait été bien, tu vois. On aurait pu sortir un bon coup d'à 90 comme ça. Mais bon, je sais pas. Il veut pas tourner la coquille, il a peur que ça fasse quelque chose de turbo alors que. Une coquille, normalement, c'est, tu peux la tourner, ça bouge pas. Hein. On en a cassé plein comme ça. Donc là, oui, alors ça, c'est pareil. Ça, c'est Monsieur James qui nous a fait un cinéma. Il voulait pas de manchon, lui. Il voulait directement en soude. Parce qu'il veut mettre absolument le moins possible de colliers et de manchons pour pas démanchonner. Donc en espérant que ça fonctionne. On va vous laisser. Je suis pressé. Il me coupe la parole, je vais le baiser. Bah moi aussi je suis pressé. Donc c'est pour ça qu'on vous laisse sur un accéléré les amis. Quand filmer un petit porno à Noël, quand on s'est fait muncher en voyant un paquet de porno. Ah le caca. Bon là on est rendu dans notre magasin préféré. Pour acheter ça parce qu'Achille il l'a cassé. Je savais même pas qu'ils vendaient des trucs comme ça dans des magasins comme ça. Bingo, il y a ça. Regarde s'il te plaît comment c'est. Tu crois que je l'ai pas vu ou quoi? Ah si. On peut pas travailler ici, c'est impossible. Mais regarde comme c'est beau Mathéo ce qu'il a fait. Enfin ce qu'ils ont fait. Que Achille c'est l'inspecteur des travaux. Inspecteur Westgate. Ouais, inspecteur Westgate. Regarde comment c'est beau en vrai. Je voulais absolument qu'il y ait le moins de manchons possible. Parce que sinon après c'est la misère quand ça démanchonne, faut démonter le pare-choc, faut tout démonter pour le remettre. Du coup là on a fait que les accès rapides. C'est bien, je suis trop content. Il travaille bien hein, mon petit soudeur et mon petit mécano TDI là. Des monstres. Vous avez mis l'atelier sans dessus-dessous. Mais tu attends. Non, j'en remettrai jamais. Là, tu dis, vous avez mis l'atelier sans dessus-dessous. Non, mais il va foutre son bordel, l'autre. Bah, putain, il faut que je travaille, moi. Non, tu vas faire dehors. Je peux en mettre beaucoup, des comme ça. Mon pauvre garçon. Regardez sa paire, s'il vous plaît. Regardez la paire de godasses. Regardez sa paire de godasses, s'il vous plaît. Ça, c'est la bégale à babas. C'est pas moi. Bon, là, on approche de la fin. Sylvain, il finit l'admission. Et après, bah, on va en découdre. Ah non, faut que je fasse la carto. Faut qu'il fasse la carto. Quoi? Attends. Comment? Non, je crois pas. Non. On va pas connaître Miss Yada, là. On va pas connaître. Non, je crois que j'ai plus d'huile. Ah, mais les gars, vous faites même pas la vidange. Eh bah, non. On fera la vidange la semaine prochaine. La boîte comme est réglée à zéro. C'est pas mal comme ça? Non, tu mets le filtre à air dans l'alternateur. Non, mais je veux de l'angle. La hauteur, oui, on s'en bat les couilles. Mais bon, après, mais faut l'accès. Oui, mais la hauteur, l'accès, faut la mettre plus vers la droite, non? Non, oui, comme ça. Voilà. Voilà. C'est quand ça va quand même mettre bail là. Non, mais là c'est bien. Là t'es bien. La cougna maman, c'est comme là, ils vont douder au pays. Ils gutent. Bien, Achille, on fait le refroidissement là, toi. Mais non, faut que Sylvain il fasse la pâte. Non, mais tu peux la faire, Achille, t'es bon. Je sais pas ça, comment faire, moi. Ah. Bah. C'est quoi la pâte? C'est le cousin du oui. Ça, je devais avoir un bocal neuf et au final, je n'en ai pas eu les finances. Je vais mettre une carte au rouge. Ah, dézoomer comme ça là. Je vais mettre une carte au. C'est mon porno qu'a tourné là. Imagine, première, elle fait. Ouais, nan, nan,
Hey. En vrai, il est chiant le rupteur du M3B35. Tu sais, il y a qu'une roue, tu vois, le différencier. Il dit oh, non, 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 non. Attends, regarde pas, parce qu'il y a un qui pour nous qui l'a. M3B25, je trouve qu'il est plus rageur. Moi. Pour essayer les deux et tout, franchement, rien à voir. Là, c'est quoi ça? Là, c'est une patte, ça. On va la mettre là. Tu peux pas. Non mais je peux me prendre là. T'as pas de durite en 76? Des durites? Ouais. Des durites de quoi? Bah parce que sinon on aurait mis une durite là. Comme ça nous évite de démonter l'admission, c'est pour la distrie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu m'as pris pour le Père Noël ou quoi? C'est fini. Tu veux la démonter l'admission? Bon, si jamais. Si par exemple. Et lui, il y a trop de lancers jamais. Bah tu passes derrière là. Non mais je sais pas, moi changer de super moteur, faut qu'on démonte pas en fait à chaque fois. Mais non, t'as juste un colis à démonter là et puis tu sors l'admission. De toute façon c'est pas grave, de toute façon dans tout cas c'est jamais, c'est même pas moi qui le fera. Bah oui. Non mais en vrai, il se pose trop de questions pour un mec qui met pas les mains dans les moteurs. Par contre, ce filtre arrière, je peux plus le dicav, hein, vraiment. Bon, ouais, il est chose. Trop beau. Oh, mec. C'est un vrai en plus. C'est un vrai quoi? C'est un vrai truc de merde. C'est un vrai truc de merde. Je vais payer 29,86€. Ouais, non, 29,86$. Ça s'appelle du dropshipping. Même, dropshipping. Même si ça coûterait 2€ ses comptes, j'aurais le somme de l'avoir acheté. En vrai, ça fait énerver, les gars. Ça va brider tout ton turbo, mec. Le turbo, il va être là. Bah je vais le débrider le turbo. Non mais j'ai de l'avantage. Non mais t'inquiète, je vais pas. En vrai ça je le mettrai jamais. Je suis beau ou pas comme ça? Je suis beau là. Là c'est le turbo, ça c'est l'injecteur, ça c'est... Non j'ai n'importe quoi. Non j'ai n'importe quoi en vrai. Bah t'es où, j'ai n'importe quoi. Donc là les potes on est en train de régler l'arbre à cam. Donc en gros là, ici là, elle est réglée à 0. Et nous ce qu'on veut c'est la régler à moins 1,7. Là on est en train de niquer la bagnole. Oh là là là. Et là il est à plus 10. Non regarde là, regarde t'es prêt ou pas? 1,5. Il a mis en buté. J'ai mis 1,5. Il a mis en buté, il dit 1,5. Démarre vite fait là. Je suis allé du mauvais côté. Il est à moins 4,4. Je suis allé du mauvais côté. Non, ils sont contents. Non, t'es à moins. T'es à moins. T'es à moins 4,4. T'es à moins là. Oui. Toi, tu l'as mis en buté, il me dit il est à 1,5. Je suis trop pressé. Vite. Ah putain. Là, la bagnole, il est à plus 28. Gilles, il fait au moins 250 kilos. Tu veux le faire? On va y arriver. Non! Tu regardes pas! C'est secret! Petite vidange avant la guerre. Ouh là là, regarde comment c'est beau! Je vais en foutre partout à côté pour que Sylvain y gagne et tout. Sylvain a dit que j'avais pas fait le balai. Même le balai, il a rigolé. Good! Sylvain, regarde si je mets pas une goutte à côté parce qu'on sait jamais. Ouais. Des fois que je salirais sa dalle. Toi, tu vas mettre ta goutte de cul, toi? Ouais. Ah, mon pauvre garçon. Je vais t'envoyer Tino, tu vas voir. Tino, je me mets sur la pointe des pieds. Tu peux pas me taper. Oh le bâtard! Ça tire à balle réelle ici. Ouais. Tino, ça tire à balle réelle, tu dis rien. Il est rond comme un ballon, Tino. Pour rappeler qu'il a un autocollant drift shop collé au cul. Et wow! T'es sérieux, toi? Oh la chaussure de skater, regarde la chaussure de skater, Sylvain! Là par contre là il va pas être content. Parce que les gars ça c'est sa paire. Oh l'enculé en vrai. Oh là Sylvain t'es vénère en vrai. Là ça va ronfler. C'est la première fois de ma vie que je fais une vidange sur tout véhicule confondu. Pff, pauvre menteur. Je mets 4 litres hein, tu m'as dit. Ouais, commence par 4 litres là. Je crois que c'est 4 litres 25. Commence par 4 litres là. Vas-y James, fous en route. Y'a pas d'huile dans l'automobile, y'a pas d'huile. Ça roule sans huile. Tu penses qu'en normes de sécurité on est bien là ou pas? Non, on est pas mal. On est en train de peaufiner la cartographie moteur, mais on a un souci dans le refroidissement, on a dû se tromper avec le VKLR. Donc là ils essayent de voir. On a cassé la bagnole. Non, on a réparé la bagnole. Ah, c'est bon, ça y est. On a réparé. Bon, c'est bon, la bagnole elle est prête. Là on peut surmonter. Par bout, roue et par choc. Let's go. Bon, là, il y a notre soudeur qui est en train de finir la ligne avec Achille. Et là, on va injecter la carto 3 barres pour commencer, pour voir comment ça se comporte sur la route. Et bah, suite à ça, on fera les cartos un petit peu plus fortes. J'ai mon assistant manager à mes côtés. Ça fait... Il s'est endormi, donc là, je viens de le réveiller. Allô, allô, Siatlan, bon dame, maman. Equity au total. Ça a planté. Non. Il a stressé. Elle a pas le temps de tourner. Bah c'est bon. C'est KOF, ouais. On va aller essayer ça sur la route. Donc rupteur 7005. Lunge control 5008. Pff, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Toi tu as pris des mesures à l'œil, les mesures frère. Demande à Sylvain ça à fait. À l'œil, les mesures. Sylvain, ma ligne de mécanique, s'il te plaît, dis-lui. Dis-lui s'il te plaît en combien de temps j'ai fait la ligne. Ça a duré 15 minutes top chrono frère. Il fallait bien que je te laisse un peu de boulot. Bah alors dis pas j'ai, connard.
Mais j'ai monté ce qu'il y a de principal. Bah, tout ce qui est plug and play. Tout ce qui se monte, ce qui change, mais c'est quand même turbo, à bras cam, couloir, projecteur. Oui, mais en soi, c'est plus facile, c'est plug and play. Il y en a quand même un qui a rien fait dans l'histoire. Ouais. Et bah ah, je peux pas être partout, les gars, je peux pas aller dormir et faire la bagnole. Non, j'ai rien fait, j'ai payé très très cher de préparation, moi dire. Oh, vas-y, toi. Je suis à 15-20 000 euros de préparation là. Oh, le menteur. Arrête de mentir, pourquoi tu mens? Ma voiture elle va passer devant sa 335i, je suis même pas au prix d'achat de sa voiture. Ah, je suis pressé là! Je suis pressé! Tu penses qu'elle passe? Hein? Tu penses qu'elle passe? Non, pas avec cette carte là. Pas avec cette carte là, voilà. Là, tu passes pas là. Non, pas là, je te mets une tartine là. Au pire, c'est ce qu'on fait pour pas que tu casses sa voiture, c'est de rage. Ouais. Si je vois que je commence à plus te voir, je vais freiner. Mais pauvre garçon. Je passe pas la 7 avec lui. Je reste en 6. Non, mais tant que t'arrives, ça compte aussi. Non, juste je le tiens, je suis content. Juste je le tiens, je suis content. Ouais, je pense qu'il y a moyen que tu me tiens jusqu'à 200. C'est que va pas quand il va monter dans la cupra, il faudra faire attention à son petit cœur. Ouh! Hey, Sylvain, il veut te faire! Sylvain, j'écarte la E30, le lendemain, t'es cassé. J'écarte la E30. Écoute, j'écarte la E30, il était 16h. Le lendemain. Le lendemain à 17h, je recevais un snap, le toit était froissé. Pas mal! Oui, c'était le matin! C'était le matin! Le matin à 11h, il m'envoie une vidéo, je vois l'aile. Les phares cassés, le capot plié, tout. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a? J'écarte l'auto, même pas la durée. 16h, le lendemain, 11h, plus de voiture. Pas mal! Et c'est lui qui dit. Et ça fait à peine 200. Et c'est toi qui dis que mon petit cœur là-dedans, il va. Non, mais c'est qu'il commence à vieillir. Qu'est-ce qu'il a, Sylvain? Il est monté avec moi pour aller à. On est parti où? À Nantes. On est parti à Nantes avec ma 335i. Tu sais, moi, tout le temps, quand je suis sur autoroute, tu connais. Enfin, en Allemagne. on était à Nantes, en Allemagne. Moi, je suis régule, tu vois, je suis tranquille, tu vois. Puis pour doubler, bah, tu sais, je bloque. Puis à un moment donné, je vois que j'ai bloqué depuis longtemps quand même, tu sais. Je me dis, voilà. Tu sais, quand tu lâches les gaz. Ouais. Et quand tu vois que ça fait 5 secondes que l'aiguille est encore collée, qu'elle se décolle pas, tu te dis, ah ouais, là, je te mets. Là. Sylvain, ah ouais, moi j'ai senti qu'on t'a. Bah, vas-y, tu fais chier, j'aime pas la vitesse. Hein. Non, ça. La vie de la mère qui m'a dit ça. Ça la en plus, à 335 sur autoroute, t'es là, t'es. Ouais, bah oui, bah. Ça va? Et toi, t'es là. Et c'est lui son petit cœur, c'est toi qui vieillis, garçon. Colle-toi, voilà, t'es dedans. Non, je suis pas dedans. Là, t'es dedans. Ouais. Mais franchement, il y a pas de joie. Non, t'as une gorge à l'intérieur. C'est conique. Serre pas. Je sais ce que je fais. Oh un ongle à 90, craché vers le bas. Je le fais que si tu le fais sur ta bagnole. Sur laquelle? Oh, je le fais, moi. Tu fais deux sorties comme ça par terre? Ouais, je le fais. C'est moi qui paye, Sylvain. Je vais dire à Sylvain, on met ton auto là et on va le faire. Et c'est moi qui finance. Là, ouais, mais on le prend. On peut faire un méga, monsieur? Non, ah non! C'est un 335. Deux peux partir sur un 335. Pourquoi t'as remonté la ligne là? Alors qu'il faut faire quoi? Là, après. Ah oui, faut prendre la sortie Cupra XL et puis regarder. Voilà, mais c'est Sylvain qui va faire. Parce que Sylvain, c'est un salope. Admission 89. Mais qui fait les lignes d'échappement comme ça, même? Tu veux qu'il ressorte ton Cupra? Non, pas trop. Comme ça là. À fleur, comme ça là. Il a où le crayon? Tu veux pas attendre le soudeur professionnel? Ouais, non, mais frère, Sylvain, ouais. Il a fait une Mégane, demande à James. Ça arrive à la fin, il était là. Non. J'ai toujours pris en main un quart d'heure après, c'était fait, frère. C'est vrai ou pas, James? Non, quand Sylvain il a pas envie, on le sait. Quand Sylvain il a pas envie de travailler, on le sait, on le voit. Il est ressorti là le bouton. Comment je fais du coup là? Je sais pas comment il fait, Sylvain. Bah, elle est belle la machine, tiens, sors-moi un disque là. Eh, hey, c'est ça, Sylvain, ton disque? Oui, c'est ça. Quand tu veux, en vrai, tu travailles bien. Quand il veut. Ouais, mais pas toujours. Tu vois, la soudure, je vais te faire. Un trou comme ça dans le bordel, après. Il s'électrocute, toi, à l'hôpital, les pompiers. Pauvre garçon. Regardez-le, en vrai. Il a dit, s'il va, je fais des soudures. Ah, il a fait un trou. Non. Ah non. Enfin, j'essaie, moi, en vrai. Non, t'es malade, mais t'es quoi? T'es malade, toi. Pourquoi? Pour la fois que j'ai essayé de voir la cible, les trous comme ça. Mais. Non, c'est galère, en vrai, c'est galère. C'est d'alarme, déjà. Non, mais ça n'a rien à voir à l'arc et ça. Mais si, ça. Ça, moi, j'ai déjà. Ça fait la 15e fois que j'essaye. Mais pourquoi tu ramènes pas de la matière? T'as besoin. Non, mais là, il faut de la matière. Ah, franchement, c'est compliqué, Achille. La vie de ma mère. Attends, tu veux essayer si tu veux, mais c'est galère. Je vais prendre un autre bout tout à l'heure. Tu vois, c'est galère. Je suis trop pressé. Que la distri elle saute. Comme ça, je pourrais accuser son travail. Est-ce qu'il te soude énervé? De fumée qui va sortir de là où il a soudé que du pot d'échappement derrière. Égoutte. Là, faut que je mette de l'import, là, on est d'accord, là. De l'import. Hein? Faut que je mette de l'import, non? Oui, je vais le finir, si tu veux bien. Non, attends, vas-y, juste. Mais si on peut éviter de finir à 20h, ça serait bien. Vas-y, je bouche le trou, t'inquiète, c'est pour deux secondes. C'est
chaud à souder avec cette merde. Je te jure, oula. Qu'est-ce que t'en penses? Et c'est mardi. Bon, ça y est, la Cupra est montée et la carte au rodage est presque rendue à sa fin. Ça marche pas trop mal, on va dire, mais on voit qu'il manque un petit peu, il manque les 600 grammes qu'on va rajouter à la fin. Faut qu'on finisse de régler l'injection dans la carto. Et là, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne déjà. Je vais vous montrer ce que ça donne avec les 3 barres de pression actuelles. C'est pas dégueulasse, on va dire. Donc je sais pas si vous vous souvenez comment elle marchait dans la vidéo de la Mégane contre la Cupra. La puissance qu'elle a en deuxième, que ça patine pas quoi, alors que là si je charge... c'est n'importe quoi. En vrai c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. J'adore. Le 5 patins il aime pas trop les 650 NM. Va falloir que... on passe sur un embrayage stage 4 parce que là l'embrayage 5 patins il suit pas du tout. On s'y attendait un peu mais on n'aurait pas pensé qu'il aurait patiné tout de suite quoi. Par moment il colle, par moment il lime, faut que je lâche pour que ça reprenne bien. Je suis un peu dégoûté hein. Parce que s'il patine sur route, sur banc, c'est même pas la peine d'y penser hein. C'est pas maintenant que Médéric verra la Cupra sur son banc hein. Je suis pressé de faire la carte au final. Mais bon, l'embrayage nous permet pas de la mettre immédiatement. James, ma basse, que penses-tu du résultat de ta belle petite Cupra? Bon, je suis un peu dégoûté qu'on l'ait pas passé au banc parce que l'embrayage y patine un peu et que ça ne servait à rien de la passer. Exactement. La différence entre maintenant et avant, elle est incroyable. Métamorphosée. Donc là, comme James a pu vous faire comprendre, il n'y a pas de passage au banc parce que l'embrayage, il supporte pas le couple. Pourtant, on est en carto rodage. Pourtant, on est en carto essai. On l'a pas encore réglé. Déjà, elle marche très très fort. D'ailleurs, il a tiré avec la M140, autant pour moi. Il a tiré avec la M135i qu'on a passé au banc chez Shiftech, qui a sorti 402 chevaux et 630 Nm. La Cupra, la gobe comme on pourrait dire quoi? Un bol de céréales le matin au petit déjeuner. Voilà. Annoncer des chiffres, non, on va pas le faire parce qu'on sait pas vraiment, parce que vu que ça fait qu'une tonne 100, la M135i fait une tonne 5, une tonne 6 à peu près. 500 kg d'écart avec le nombre de chevaux, on va pas trop s'avancer. On vous remettra juste un petit épisode dans une prochaine vidéo qu'on tournera de la Cupra quand elle aura l'embrayage changé, qu'elle sera réglée et qu'on l'aura passé au banc pour vous faire montrer à peu près le nombre de chevaux qu'elle sort. Je pense qu'on est large au-dessus des 300. On n'est pas au-dessus des 340 non plus, mais je pense qu'on est... On est au 300 quoi. On est au 300 plus. Donc c'est ce qu'on voulait. On voulait 400, mais on voulait là 400, non, mais là, réglé. Bien réglé, ouais, bien réglé. On va gratter les 400. On verra au passage au banc, mais je pense que réglé, il y a moins qu'on gratte les 400 chevaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une petite chose très importante, les amis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. J'aime bien faire chier mon nom. Mathéo, à chaque fois qu'on dit ça, il rigole. Aussi, encore du boulot pour Mathéo, à vous abonner à nos Instagram. Donc il y en a un qui s'affiche là, qui s'affiche là. Tu vas réussir ou pas, Mathéo? C'est bon, ça va le faire. Donc voilà, sur ce, on vous dit à très vite. On a d'autres projets, on a d'autres vidéos en cours. Ça va arriver très prochainement. Donc voilà, on vous laisse. Salut les potes. Kiss. Non, t'as pas le droit de dire kiss, toi, c'est moi. Non, c'est moi, kiss. Il m'énerve. C'est quand que tu te coupes les cheveux? Bah, j'ai été hier. Non, mais là, ici. Mais non, j'ai coupé. Mais non, mais t'as coupé là, mais t'as pas coupé non, là. Non, je te jure, là, j'ai ça, coupé. Là, tu vois ça, là. T'as tignasse que j'ai envie de te prendre. Je te jure, la tête. En vrai, j'ai coupé. T'as coupé, tu? Je te jure, j'ai coupé. Enlève la casquette. C'est un bon foire. Oh bâtard, c'est quoi ton shampoing? Je sais plus, c'est à l'orange. Il passe pas de produit, non. Il sent bon. Ouais, c'est à l'orange, je sais plus quoi.
Ah ouais, ah, c'est, je crois que je me sers de ça. C'est pour le, la... crois que c'est le petit Marseillais. C'est pas un shampoing, c'est un gel douche de base, mais c'est la Hesse, tu connais. C'est la Hesse. C'est la Hesse. Le coiffe, il est rempli de catalyseurs, mais c'est la Hesse, tu connais. C'est la Hesse.